Nouveau rendez-vous de l'actualité économique. Merci de nous rejoindre sur SICA TV. Les titres du journal, c'est tout de suite. Le Cameroun formalise la garantie de 200 milliards de francs CFA pour les prêts bancaires accordés aux entreprises. C'est pour les aider à faire face au Covid-19. Au Burundi, suspension des activités des sociétés minières étrangères. L'État veut renégocier des contrats plus profitables pour le pays. JP Morgan devient la première grande banque à permettre à ses clients d'acheter des crypto-monnaies. Cette décision est une nouvelle preuve de l'adoption croissante de la monnaie virtuelle. Au Kenya, le blé est la seconde plus importante graminée cultivée après le maïs. Si sur ces dernières années, la consommation de produits à base de la céréale a affiché une croissance soutenue, le segment de la production n'arrive pas à suivre le rythme. Au Kenya, le gouvernement vient d'ordonner aux meuniers de verser un tarif de 3 700 shillings, l'équivalent de 34 $, pour le sac de 90 kg de blé acheté auprès des producteurs. Ce montant, s'il reste en dessous de la demande initiale des acteurs, qui est de 4 000 shillings, est légèrement supérieur au prix actuel proposé par les industriels, 3 600 shillings. Il va permettre ainsi aux exploitants non seulement de couvrir leurs coûts de production compris entre 2000 et 2500 shillings, mais aussi de dégager un profit plus important. Par ailleurs, ceux-ci pourront écouler sans difficulté leur récolte avec l'obligation faite pour les meuniers d'épuiser l'offre locale en blé avant de postuler pour l'octroi de permis d'importation. Selon l'exécutif, ces mesures devraient susciter un nouvel engouement dans la filière qui pâtit des coûts élevés de l'énergie et du travail, ainsi que de la préférence affichée des transformateurs pour le blé importé. Ce dernier reste en effet moins onéreux que l'équivalent local, avec un prix compris en 3 100 et 3 500 shillings pour le sac de 90 kg, en dépit des droits de douane de 10% qui frappent les achats réalisés en dehors de la communauté est-africaine. Pour rappel, le Kenya est un importateur net de blé, avec 80% de sa demande qui est satisfaite grâce à des achats sur le marché international. Le pays produit en moyenne 300 000 tonnes de la céréale par an contre des besoins de consommation s'élevant à 2,5 millions de tonnes. En Afrique de l'Est, la menace acridienne demeure préoccupante. Si le phénomène ne fait plus autant les gros titres de l'actualité comme à ses débuts, les efforts continuent d'être déployés pour lutter contre la propagation des nuisibles. Précision. Les États-Unis ont annoncé récemment leur intention d'envoyer en Afrique de l'Est une équipe de travail qui participera à la lutte contre les criquets pèlerins. Le groupe comprendra des représentants de plusieurs institutions américaines, dont l'Agence pour le développement international, le Conseil de sécurité nationale, le Département de la Défense et le Département de l'Agriculture. Cette équipe va se charger d'élaborer non seulement une stratégie complète de contrôle des invasions actuelles de criquets pèlerins dans les pays de la région, mais également de prévention de futures infestations. Elle devrait être opérationnelle sur une période de 2 ans et ciblera notamment le Kenya, l'Éthiopie et la Somalie, qui ont été les plus touchés par les ravages des nuisibles, avec des conséquences importantes sur la sécurité alimentaire des populations. L'appui des USA sera complémentaire aux efforts déjà entrepris sur le terrain par des organisations internationales comme la FAO. L'organisme onusien envisage notamment de mobiliser 40 millions de dollars cette année pour financer ses opérations de surveillance et de contrôle des populations acridiennes, notamment en Somalie, au Soudan, en Éthiopie, au Kenya et au Yémen. En Afrique de l'Est, la menace acridienne demeure préoccupante. L'État du Togo a levé ce 23 juillet sur le marché financier de l'Union monétaire ouest-africaine un montant de 27 500 millions de francs CFA au terme de son émission d'obligations de relance du Trésor de maturité 10 ans, organisée en partenariat avec l'agence UMOA Titres qui est basée à Dakar.
À l'issue de l'adjudication, l'agence a répertorié 86,705 milliards de soumissions globales provenant des investisseurs pour un montant mis en adjudication de 25 milliards de francs CFA, soit un taux de couverture du montant mis en adjudication de 346,82%. La Banque centrale du Nigeria a annoncé le début de la phase pilote du e-Naira, la monnaie numérique du pays, pour le 1er octobre prochain. L'objectif de cette monnaie électronique est d'améliorer l'inclusion financière, simplifier les paiements et faciliter le commerce transfrontalier. Il s'agira d'une monnaie électronique complémentaire au Naira et qui sera considérée au même titre que les crypto-monnaies. Avec 32% de sa population qui utilise les crypto-monnaies selon les données de la plateforme Statista, le taux le plus élevé de tous les pays au monde, le Nigeria fait partie des États africains qui réfléchissent à instaurer une monnaie numérique de banque centrale. Et puis, mardi 20 juillet, le Bitcoin est passé en dessous de 30 000 dollars, perdant la quasi-totalité de la hausse accumulée cette année. Cette baisse s'explique par la volonté de certains États de réprimer l'industrie des crypto-monnaies. Vous le verrez, l'intérêt porté à ces actifs grandit pourtant du côté des investisseurs. La banque américaine JP Morgan va permettre l'acquisition de crypto-monnaies. Voilà une nouvelle preuve qui pourrait bien relancer les crypto-monnaies dont les prix sont en chute depuis quelques semaines. La puissante banque d'investissement américaine JP Morgan Chase a décidé d'effectuer des transactions en crypto-monnaie pour le compte de ses clients, qu'ils soient fortunés ou pas. Selon Business Insider, qui cite une source anonyme de l'institution, 5 produits financiers sont concernés, à savoir le Bitcoin Trust, le Bitcoin Cash Trust, l'Ethereum Trust, ou l'Ethereum classique, et enfin le Bitcoin Trust d'Opry Funds. Les conseillers financiers de la banque vont exécuter les ordres de vente ou d'achat de ces actifs pour les clients de la catégorie gestion de patrimoine. Sont également concernés les clients souhaitant simplement investir, possédant des comptes autogérés ou utilisant l'application de trading de la banque. Si cette mesure a été envisagée en février dernier par Daniel Pinto, co-président de JP Morgan, sa mise en œuvre effective représente un tournant historique. Alors que son PDG critiquait encore le Bitcoin il y a quelques années, JP Morgan devient en effet la première banque américaine à ne pas limiter la négociation des crypto-actifs à ses clients les plus riches. Notons néanmoins que les conseillers ont interdiction de proposer les actifs aux clients et doivent attendre que ceux-ci en fassent la demande. Et il faut souligner que cette demande est une nouvelle preuve de l'adoption croissante des crypto-monnaies. L'État et les acteurs au développement convergent leurs efforts pour la relance économique post-Covid-19 qui continue d'avoir un impact négatif sur les activités au Cameroun. La convention cadre de garantie signée entre les pouvoirs publics et le système bancaire, les établissements de microfinance, permet aux entreprises de renforcer leurs activités en fonds de roulement ou en termes d'investissement. Reportage. Le nouveau dispositif tient sa source dans la loi de finances 2021 qui autorise le gouvernement à accorder aux entreprises, au titre d'emprunt intérieur, un montant global de 200 milliards de francs CFA. Sur la base de la contribution de chaque secteur au financement de l'économie nationale, 170 milliards, représentant 85% de l'enveloppe, reviennent aux banques, tandis que 30 milliards, soit 15%, sont destinés aux EMF. Au regard de la structure de l'économie camerounaise, dont les petites et moyennes entreprises constituent plus de 90% du tissu de production, mais plus fragiles aux chocs endogènes et exogènes, il convient pour le secteur bancaire et celui de la microfinance de jouer pleinement leur rôle dans la mise en œuvre de cette facilité, notamment dans l'accompagnement de ce segment d'entreprise, a indiqué le ministre des Finances. Avec un taux de croissance du produit intérieur brut réel de 3,7% en 2019, le Cameroun, sous des effets conjugués de la pandémie de coronavirus, notamment, et de la crise sociopolitique dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, a vu cette croissance se contracter pour chuter à 2,4% en 2020, avec une forte incidence pour les secteurs secondaires et tertiaires, où se retrouvent la plupart des 14 000 PME tombés en faillite ou encore sous perfusion
d'après une étude du groupement interpatronal du Cameroun. L'Algérie exclut de contracter des prêts auprès du Fonds monétaire international et des organismes financiers internationaux en dépit de la crise socio-économique qui frappe le pays. C'est ce qu'a affirmé dimanche le président Abdelmadjid Tebboune. Le président algérien s'est félicité du non-recours de l'Algérie à l'endettement extérieur, contrairement aux multiples prévisions fixant la fin de 2020 et le début 2021 comme date de recours à cette mesure, selon un communiqué publié à l'issue du Conseil des ministres. Se voulant rassurant quant à la situation macroéconomique du pays, Abdelmadjid Tebboune a, au nom de la souveraineté nationale, exhorté les Algériens au travail. D'après le chef de l'État, rien que le travail peut pérenniser ce principe de souveraineté. Il a également tenu à rassurer quant aux réserves de change, qui s'élèvent actuellement à 44 milliards de dollars contre 53 milliards fin 2019. Ces réserves continuent néanmoins de baisser régulièrement. Entre 2014 et 2019, elles ont fondu de près de 65% selon la Banque centrale. Quatrième puissance économique du continent africain, le pays est particulièrement exposé aux fluctuations du prix du pétrole du fait de sa dépendance à la rente pétrolière qui représente plus de 90% des recettes extérieures. En mai 2020, le président algérien avait déjà tenu le même discours en précisant qu'il préférait emprunter auprès des citoyens plutôt qu'auprès du FMI ou de la Banque mondiale, rappelant la mauvaise expérience du pays après le recours à l'endettement auprès du Fonds monétaire international au début des années 90. Rendons-nous maintenant au Burundi. Le pays a suspendu les opérations de plusieurs sociétés minières internationales, estimant ne pas bénéficier d'une juste part dans les revenus générés par l'extraction des richesses de son sol. Seul pays africain à exploiter des terres rares, le pays dispose d'immenses ressources minières dont les revenus pourraient impulser de nombreux projets de développement. Pourtant, la Banque mondiale estime qu'en 2020, 86,2% de la population de ce pays pauvre gagnait moins de 1,9 dollars par jour. Au total, 7 entreprises minières d'origine britannique, chinoise et russe sont concernées par cette mesure. Ce sera tout pour cette édition. Merci pour votre attention et restez avec nous sur SICA TV.